Toutes les entrées sont couvertes. Te voilà. Approche. Allez, dépêche-toi. Ceux qui viennent du ciel, près de la rivière, ils agissent comme des nuisibles. Mais cette fois-ci, il n'y en avait qu'un. Seul, vraiment? Oh, ce tout... Mais quand même... So, Leg, je suis arrivé chez les Aranahe. Tu avais raison à leur sujet. Mais l'une d'eux m'a accueilli. Nefika. Elle pense que je peux impressionner Katnad en lui prouvant que je sais chasser. Ils t'ont envoyé chasser? J'aurais dû t'enseigner cette aptitude. Ne t'en fais pas. Nefika m'a dit que l'un de leurs chasseurs pouvait m'apprendre. Itou. Fais attention. Tu n'as rien à leur prouver. Tu es Sarentu et Katnad devraient respecter ça. Reviens au QG quand tu veux, d'accord? Tu n'es pas seul. Et on a encore beaucoup à faire ici. C'est Itou? Ton Ikran est magnifique. Pour ma Zomei, aucun vent n'est trop fort. Tu viens nous admirer? Non, je... Ainsi, mon nom est parvenu aux autres clans. Même ceux qui se sont éteints. Laisse-moi deviner. Que pourrait-il comprendre? Nefika m'a dit que tu chassais les Storm Beasts. C'est bien cela que tu veux? Tu es un bon chasseur? On ne m'a jamais appris. Comment ça? Ton peuple a trouvé un endroit spécial? Regarde, nos jeunes chasseurs s'entraînent d'abord sur des cibles. Entraîne-toi, ou c'est les Storm Beasts qui te chasseront. Tu as choisi ta pire arme. Cherches-tu à te compliquer la vie? Approche. Pas mal. Au moins ton remerciement aura du sens. Mon remerciement? Vraiment? C'est une longue histoire. Si je voulais écouter une longue histoire, je serais chez moi. Quand tu chasses, tu prends une vie innocente. Tu dois remercier le frère ou la sœur dont tu prends la vie. Je te vois. Ainsi, tu lui permets de rejoindre ses ancêtres. Bien, souviens-t'en. Les présents. D'accord. La peau, la viande. Tu sais quoi en faire? Ah, Nefika te montrera. Vas-y. Hein? Ton esprit retourne auprès d'Eiwa et ton corps va devenir un avec le peuple. Merci pour tes présents.
pas d'autres vêtements ? Tu pourrais m'aider. Oh ! Et c'est reparti ! Eh oui, c'est reparti. Tu as enfin décidé de me faire l'honneur de ta présence ? Voyez. J'ai un peu de viande de ma chasse. Nefika m'a dit que... Elle dit que t'es le meilleur cuisinier. Enfin un peu d'honnêteté, Nefika. Je suppose que ça fait partie de sa stratégie. Allez, viens. Arrête de ronchonner. Y a-t-il un problème avec votre arbre en maison ? Et Toua m'a dit qu'il souffrait. Ah, les Kinglors semblent agités. Nous les avons recueillis depuis que leurs fleurs se sont refermées, mais ils sont trop nombreux. Ka'Nath préférerait qu'Etoua se consacre entièrement à leur bien-être. Mais cet enfant fait de son mieux. Allez, concentre-toi. Ka'Nath devrait voir qu'il te reste quelques talents Na'vi. Et j'aimerais aussi en être témoin. Un peu de fromage de Zaklou ferait des merveilles avec ça. Si ce n'est pas parfait, alors à quoi bon ? Bien ! Va montrer à Ka'Nath comment tu as mêlé ton style au nôtre. Comme le faisait ton peuple autrefois. N'aie pas peur de lui. Il aboie plus qu'il ne mord. Je te rejoins après. Nous ne sommes pas des combattants ces soirs. Et Toua devrait le savoir. Tu cherches une amélioration ? Prends bien. De quoi as-tu besoin ? Prends bien soin de ton arc. Ceux qui viennent du ciel pourrissent nos terres. Il faut les arrêter. Qu'est-ce que tu cherches aujourd'hui ? Fais-en bon usage. Pas cette couleur. As-tu vu Wuhan ? C'est trop foncé. Je m'inquiète pour elle. Oui, ceux qui viennent du ciel les chassent de... Je peux faire quelque chose ? Reviens me voir si tu as besoin d'autre chose. Nefika va adorer cette couleur. Je suis inquiète, et tu devrais l'être aussi. Espérons que la nuit restera paisible. Si l'une des machines volantes de ceux qui viennent du ciel, c'est... Essaie de mélanger le nectar avec un peu de jus de fruits à coque. Nefika a bien travaillé. La perte des tiens nous afflige. Mais nous savons que tu n'es pas ici pour transmettre leur sagesse. Ceux qui viennent du ciel, la résistance... C'est la raison de ta venue. Tu te présentes dans notre arbre maison. La guerre est déjà là. S'il te plaît. Les Aranae ne cherchent pas le conflit. Te souviens-tu de ta famille ? Un peu. L'as-tu vue mourir ? A-t-elle souri une dernière fois, essayant de te rassurer ? Eh bien, je vois que tu as fait forte impression. Je ne voulais pas le mettre en colère. Ne désespère pas. Notre Tsaïk est revenu.
Ah, Sarento. As-tu rencontré notre autre invité? Bonjour. Les Kinglors sont tourmentés. Autrefois, la forêt leur appartenait. Les Sautoutés les ont chassés, j'en suis certaine. Il ne reste que ce nid? Oui. Et les Kinglors sont vraiment trop nombreux. Ils affaiblissent notre arbre. Ah. Tu vois, la reine prend bien soin d'eux. Elle les protège. Elle est née en sachant déjà quoi faire. Comment les guider. Elle sait quelle est sa place. Comme l'a toujours dit ma mère, un cœur assuré fait des ailes solides. Elle a toujours su les apaiser. Je la trouvais ici à l'aube, à s'occuper d'eux, à chanter pour eux. Son amour les nourrissait. Ne t'inquiète pas, ils ne sont pas méchants. Les Kinglors sont de nature tranquille, mais ils ne sont pas dociles lorsqu'ils sont menacés. Leur piqûre est vive, et les seins restent unis. Nous devons piquer, nous aussi. Itou, où est-il? Ton père souhaite lui parler. Il n'est pas revenu. Il faut prévenir Katnat. Attends, ce n'est pas nécessaire. Nous allons le retrouver ensemble. Notre peuple a besoin de sa Tsahik. C'est moi qui vais m'en occuper. Laisse-moi l'accompagner. Tu m'as déjà aidé. Maintenant, c'est à mon tour. Ils ont besoin de toi ici. Là où je dois être.